week-end, je suis descendu en Ardèche à l'occasion de l'Aluna Festival. C'est un petit festival qui se déroule sur 3 jours à Ruons. Programme, vous avez bien évidemment les insus qui ont attiré énormément de monde. C'était vraiment, ça s'est passé hier soir, c'était vraiment très très sympa. J'y vais chaque année, franchement, toutes les années, il y a des artistes très connus qui y vont et puis des artistes un peu moins connus à découvrir mais qui sont tout aussi bien. Ce que j'ai adoré, c'est la découverte de 2 filles splendides qui chantent merveilleusement bien, qui s'appellent les Brigitte, et je vous invite à les découvrir. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten things out with you. You blew my hopes and dreams away, and there is not a single day I don't feel the words because quand on vient de tomber sur les larmes, et les jours sont planchés, toujours le même. Elle porte les rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Bon, l'avantage de l'Ardèche, c'est que on se rapproche du sud et là on se croirait vraiment en vacances. Ça peut être aussi pour vous l'occasion d'en profiter pour aller faire de nombreuses activités qui sont prévues en Ardèche. Vous pouvez aller faire du VTT, du canoë, de la rando. Voilà, donc profitez de ce week-end de 3 jours pour découvrir toutes ces activités et découvrir surtout l'Ardèche. Into your eye, those feelings never lie. My only weapon is the song, and you won't have to sing alone. This is the story. Et pour tous ceux qui, comme moi, s'y sont pris au dernier moment pour trouver un hébergement, j'ai découvert une super application qui s'appelle Camping. Le principe est simple, c'est du camping chez l'habitant. Ça m'a permis de planter la tente dans un lieu très proche de la nature, avec tous les services qu'on peut avoir dans un camping. Wi-Fi, douche, WC, etc. Donc voici l'endroit où je vais passer la nuit. Et cette bibliothèque, ça m'a permis de découvrir le livre du voyage de Bernard Weber, celui qui a écrit Les Fourmis. C'est un livre magnifique qui va vous faire voyager à travers sa lecture.